Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez trouvé de la place. Je crois qu'on va avoir bien chaud ce soir. En tous les cas, un grand merci à tous d'être présents pour ce grand voyage que l'on va faire, à la fois dans le temps, mais aussi on va voyager, on va aller sur le continent africain, on va aller aux États-Unis, on va aller en Angleterre. J'espère que vous avez bien pris vos passeports en tous les cas. Dinguette Event, c'est l'association qui organise ce concert. Et sachez qu'on est un peu ému ce soir avec toute l'équipe parce que c'est le dernier concert de cette année. Mais bien évidemment, on reprendra en 2025. Et la première date, ce sera le 11 janvier. Donc on vous en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Pas terrible, hein? Donc je vous disais juste avant, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Alors je vais vous demander de faire une ovation, d'applaudir très fort des pieds et des mains pour accueillir ce fabuleux groupe, les Docteurs Fraser. I was
bonsoir. Vous allez bien ? Merci d'être avec nous ce soir. Merci à Olivier Delphine, l'association Dinguette Events, de nous avoir invités pour vous faire partager l'histoire de rock. C'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. On va partir de très loin. Vous avez vu le morceau qu'on a joué. Vous avez entendu la première version en folklorique, c'est-à-dire telle qu'on l'a jouée au XVIIe siècle. Et puis nous, on vous l'a joué à la sauce rock'n'roll des années 70. C'était une version interprétée par Finn Lazy d'habitude. Et là, ça vous montre un peu le chemin. L'idée, c'est ça. Donc on va repartir du début. Et donc on va en parler ensemble, en fait. D'ailleurs, on vous fera participer à un moment donné. Vous verrez. Ça sera fun. On va voir si vous avez de la culture rock. Alors, ce rock, d'où il vient ? Les origines. Évidemment, Amérique du Nord, vous le savez, c'est une terre qui a vu passer du monde, de façon contrainte, évidemment, avec l'esclavage, et les Africains ramenés de force sur le territoire, les Européens qui, dès le XVIIe, ensuite au XVIIIe, avec une forte proportion au XIXe siècle, sont venus d'Europe centrale, ou d'Irlande en particulier, pour fuir la famine. Et, en fait, ils ont trouvé aussi une ethnie amérindienne qui était déjà là. C'est un peu ce melting pot qui a fabriqué le rock'n'roll. Ce qu'on voudrait casser un peu ce soir, c'est ce mythe d'une musique blanche qui a rencontré une musique noire au moment des années 50 pour créer le rock'n'roll. En fait, c'est pas ça. Dès le début, ils jouent ensemble et ils se mélangent musicalement ensemble. Par contre, socialement, vous verrez que ça c'est jusqu'aux années 50, effectivement, il y avait deux compartiments. D'un côté, les blacks et qui jouaient du blues, mais on y reviendra. Les Européens, ils sont venus avec les polkas, les gigs, les mazurkas, entre autres. Les Africains, alors eux, ils ne sont pas venus avec leur instrument, malheureusement. Par contre, je ne sais pas, mais vous savez, le banjo, vous l'associez souvent à la country music, parce que vous avez ces clichés du cow-boy avec son chapeau qui joue du banjo. En fait, le banjo, c'est ça. C'est l'ekonting, c'est un instrument africain qui a été reproduit ensuite et qui est devenu le banjo une fois qu'on lui a rajouté un peu plus de cordes. On voudrait vous dire aussi, c'est dans le rythme des musiques qu'on va jouer ce soir, il y a ce qu'on appelle le call and response, c'est-à-dire la façon d'appeler des choses et d'y répondre. Ça, c'était lié au fait que les Africains, une fois qu'ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont continué à effectuer des travaux difficiles, en fait. Et pour se donner du courage, ils appelaient ça, ils chantaient. En fait. On appelait ça des work songs. Et donc, ils chantaient. Il y en a un qui lançait quelque chose, une exclamation, et puis les autres répondaient. On appelle le call and response, et ça a donné en particulier le gospel. Si je vous dis, oh happy day, oh happy day. Et voilà, c'était ça. Et donc, ça, c'est né des work songs, et vous verrez que le blues raconte souvent des choses difficiles qu'on vit dans la vie, etc. Ça vient des work songs, et souvent le blues est en plein de mélancolie, et on y raconte les difficultés de la vie. J'ai parlé des populations amérindiennes, en fait je voudrais dire qu'en fait cette musique qu'on croit être née comme ça, elle vient de très très loin, et elles ont un socle commun, et notamment une gamme qui est très utilisée dans le blues ou dans la country, ça s'appelle la gamme pentatonique. Cette gamme pentatonique, elle est constituée de 5 tons. Dites-vous bien qu'on a déterré quelque part en Allemagne une flûte qui avait 35 000 ans. Cette flûte, elle avait 5 trous, elle produisait 5 sons. Ces 5 sons, c'était la gamme pentatonique. Voilà. Donc, vous voyez, ça vient de très loin. D'ailleurs, je vous invite si ça vous intéresse, de lire un livre d'André Manoukian qui s'appelle Sur les routes de la musique. Voilà, ça explique tout ça très bien. Aymeric, tu peux nous jouer une penta ? Vous l'entendrez souvent dans les solos, etc., dans les mélodies. Je vous propose d'enchaîner avec un morceau, cette fois-ci, qui a pris beaucoup d'ampleur au 19e siècle, qui s'appelle Wayfaring Stranger. C'est un traditionnel, on ne sait pas trop qui l'a écrit, en fait. Mais nous, on va le jouer un petit peu à la façon de Johnny Cash. Voilà. Just a poor
wayfaring stranger, traveling through this world below. There's no sickness, no toil, no danger in thy bright land. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va parler de blues. Et on ne peut pas parler de blues sans parler de là d'où il vient, en fait, principalement du delta du Mississippi. C'est pour ça que souvent on l'appelle le delta blues. Vous avez peut-être entendu déjà cette expression. C'est son berceau, finalement, le fleuve du Mississippi. Et le blues, ça vient d'une expression anglaise qui dit « blues devils ». En fait, c'est les idées noires. Dans la séquence précédente, c'est difficile de dater à quel moment ça démarre. On sait par contre qui a été le premier à transcrire et à écrire sur une partition un morceau de blues. Ce monsieur, c'est lui, c'est William Christopher Handy. C'est un musicien noir érudit, il est de l'Alabama, mais il parcourt beaucoup le pays pour jouer dans des orchestres. Et ce monsieur, un jour, il arrive à la gare de Tutwiler, c'est quelque part dans le Mississippi. Et il voit sur le quai de la gare un musicien noir, jeune, qui joue de la guitare et notamment qui se sert d'un couteau, comme ce qu'on appelle un bottleneck. Voilà, c'est pour faire des glissés comme ça. Ça donne ce son typiquement blues. Et Andy va se souvenir de cette rencontre et ensuite il va transcrire. Donc on est en 1903, par contre, la transcription et la diffusion de la partition se passera beaucoup plus tard, vers 1913. Et ça s'appelle Memphis Blues. Là, on y trouve la structure classique du blues, c'est-à-dire une structure en 12 mesures, d'une part, et avec une cadence, voilà, pour les musiciens, qui est basée sur des accords de premier, de quatrième et de cinquième degré, qui s'enchaînent toujours de la même façon,
C'est vrai que c'est un morceau de blues est souvent immédiatement reconnaissable. Par exemple, c'est un morceau de blues en fa pour les musiciens dans la salle. Ça donnerait ça. Bon, nous, on va pas vous jouer un morceau de blues en fa. On va le jouer en la. Hein, pour changer. Et ça va être un morceau de Robert Johnson. Mais avant de parler de Robert Johnson, les premiers qui enregistrent du blues, ce sont des femmes. Marianne, Bessie Smith, Mamie Smith, etc. Et on a toujours, même au début du XXe siècle, des noirs africains, afro-américains, maintenant, mais qui travaillent dur. Et le soir, ils aiment bien, pour se détendre, rejoindre ce qu'on appelle des juke joints, ces espèces de cabanes. Si un jour vous allez dans le Mississippi, vous en verrez, il en reste au bord des routes. Des cabanes en bois où on se retrouve et on fait la fête, on joue de la musique, on danse dans ces juke joints. Et c'est là que vont jouer des stars du blues, en tout cas ils le deviendront, des gens comme Son House, Charlie Patton, Robert Johnson. Justement, on a un morceau pour vous de Robert Johnson. Alors, juste avant, Robert Johnson et Son House, Charlie Patton, on les a connus grâce à deux monsieur, monsieur Lomax et son fils. En fait, ils ont été missionnés par le Congrès américain pour parcourir le delta du Mississippi et pour, en fait, enregistrer ces bluesmen. Heureusement qu'ils l'ont fait, on a tout ce patrimoine grâce à eux. Et donc, on va vous jouer un morceau de Robert Johnson. Il n'est plus sur la photo, c'était le gars qui était à droite. Écoutez bien son histoire, parce qu'elle est particulière, on vous la raconte en vidéo. Et ça, ça démarre comme ça. I'm
merci beaucoup. Aymeric à la guitare. Alors pour tout vous dire, il était... Il y a 3 jours, il était dans un état pitoyable. Et merci d'avoir tenu le choc et d'être là ce soir. Avec des températures de cheval. On a eu peur. Mais voilà, on est là avec vous ce soir pour continuer cette histoire du rock. On va parler maintenant de Rhythm and Blues. La musique noire évolue d'un côté, à côté de la musique blanche. On va revenir sur la musique blanche dans un instant. Mais les noirs jouent et sont identifiés par l'industrie musicale comme telle, à tel point qu'on va appeler ça de la race music. Vous vous rendez compte ? Et donc, on vend des disques enregistrés par des noirs destinés à une population noire. On appelle ça des race records. Incroyable. Et ces blacks qui ont longtemps travaillé dans le delta du Mississippi, ils commencent à remonter à la ville dans, au début des années 20, dans les années 30 surtout, 30-40, pour aller trouver du travail dans l'industrie automobile. Donc ils montent à Détroit, Chicago. Et là-bas, voilà, ils commencent à enregistrer une musique qui groove, enrichir un petit peu les orchestres. C'est là qu'on commence à voir arriver la guitare électrique, notamment, en particulier. Il y a des cuivres, il y a toujours du piano, évidemment, il y a de la basse. Les orchestres s'enrichissent et deviennent vraiment, voilà, ça balance. Les pères du rhythm and blues, aujourd'hui on dit R&B. Et le R&B que vous connaissez, moderne, il descend d'eux. Il descend de Little Richard, Fats Domino, Ray Charles, bien sûr. Après il y a des descendants un peu plus proches de nous. Voilà. Le rythme a une fonction extrêmement importante dans le R&B. Et moi je vous propose de découvrir avec Jérôme comment... Les rythmes ont évolué, des rythmes basiques jusqu'à des rythmes complexes. On fera un quiz dans la salle. Si vous reconnaissez le dernier rythme que Jérôme a joué, chapeau. Et on commence par un rythme binaire, Jérôme. Puis un rythme ternaire. Et puis un beau shuffle. Merci Jérôme à la batterie. Est-ce que vous avez reconnu cette intro à la batterie? Personne. Un peu. Un groupe de soft rock ou mainstream rock des années 80. Voilà. Bravo. Il y a des connaisseurs dans la salle. Il s'agissait du groupe Toto, voilà. Bien, eh bien écoutez, on va vous jouer un peu de R&B. Il s'agit d'un morceau de Bobby Troop, ça s'appelle Route 66, mais ça a été repris par des tas de gens. Nous, on va vous les jouer un petit peu comme à l'époque. Voilà. Six.
Mexico. Flags to Paris, oh, don't forget Vino. Na King on Passant San Bernardino. When you get really soon, tell me cheap. Alors, Fred et Nathalie, vous avez bien fait de montrer l'exemple. Parce qu'en fait, vous voyez qu'on n'a pas pris toute la scène. On vous en a laissé un petit bout. Et ce petit bout, c'est pour danser, n'est-ce pas? Alors, à la fin, on a un morceau, il y a une chorégraphie, il y a un monsieur qui apparaîtra à l'écran, il va vous montrer ce qu'il faut faire, c'est très simple, vous verrez, mais si vous restez jusqu'au bout, après, si vous en avez marre, vous ne verrez pas. Mais je fais un petit zim parce que c'est sympa, mais là, je veux du monde là, sur la piste. Vous allez voir, cette chorégraphie, c'est terrible. Alors, on va continuer avec une musique de techno. Ah, vous dites, putain, il est chier, lui. Une musique de techno. Ben, c'est comme ça, en fait, qu'on appelle l'ethnie blanche, les hillbilly. C'est Billy, hill, c'est la montagne. Et Billy, en écossais, c'est le gugus, le mec de la montagne. Billy. Ces musiciens européens, je vous ai dit, ils sont venus avec leur instrument. Il y a le violon qui a une place très importante au 19e siècle. Il y a le dulcimer allemand, la mandoline italienne, la guitare espagnole, un peu plus tard la guitare hawaïenne, et puis le fameux accounting qui est devenu banjo aussi. Ces migrants, en fait, au départ, ils sont arrivés sur la côte est, d'accord, Boston, New York, etc. Ils ont migré un petit peu vers l'ouest, ils se sont arrêtés aux Appalaches. C'est la première chaîne de montagnes qu'on rencontre. Et c'est qu'à partir de la deuxième partie du 19e siècle qu'il y aura la conquête de l'ouest et donc qu'ils vont partir plus loin, donc jusqu'à notamment Los Angeles. Pour l'instant, ils se concentrent là. Et cette communauté, elle cultive la terre, etc. C'est des paysans. Pour se détendre, ils jouent de la musique, évidemment. Et on doit... Messieurs Lomax, la découverte du blues, on doit la découverte de la country et de la musique des hillbilly, parce qu'au début on parle de hillbilly musique, pas de country. On la doit à ce monsieur Ralph Peer. Ce monsieur, il parcourt les Appalaches, il met des annonces dans le journal, il dit mardi à 10h, on enregistre. Ceux qui veulent venir, on enregistre. Et donc les gens viennent, ils jouent live, comme ça, on les enregistre. Et à l'époque, vous savez, les disques étaient pressés directement, on partait avec son disque. Monsieur Ralph Peer va enregistrer comme ça des tas de hillbilly qui jouent cette musique-là. Et cette musique, elle va surtout exploser ensuite dans les années 30 avec la radio. La radio joue un rôle déterminant dans la promotion de la country music avec des grandes émissions comme celle-là. Le Grand Ole Opry, c'est à Nashville. C'est une... On joue live, évidemment, on met des micros et ça passe à la radio. Mais c'est des grandes émissions. Vous voyez, la scène, c'est incroyable. Il y avait des fois 20 musiciens sur la scène. Et ça passait à la radio directement. Donc ça va propulser la country music, un point qu'on n'imagine pas. On y reviendra dans une deuxième phase. Et là, on a un morceau d'une grande star de l'époque qui s'appelle Hank Williams. Et écoutez bien, parce que le morceau qu'on va vous jouer, on a prévu un petit truc au milieu. Parce qu'on se demande après quel est le premier morceau de rock'n'roll. Est-ce que le rock'n'roll vient de la country? Est-ce qu'il vient du blues, etc. En fait, on a une petite surprise. Mais je vous dirai à la fin, quand on aura fini de jouer. Pour l'instant, on démarre avec un morceau de Hank Williams qui s'appelle Move It On Over. Move it on over. Move it on over. Move a little on, come on to big dumb.
3 o'clock, 4 o'clock, clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, clock, 19, 11 o'clock, 12 o'clock, rock around the clock, around the clock, tonight by the roots and dawn and journey on. We'll have some fun when the clock strikes gone. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to broader line. We're gonna rock, rock, rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, the band slows down, we'll yet for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to broader line. We're gonna rock, rock, rock around the clock tonight. Ils ont vraiment gagné une place au restaurant. Au bout de danse, c'est une invitation au restaurant. Il n'y a qu'à la carotte. Hein. Super. Vous avez vu les deux morceaux, ça, quasiment les mêmes. Hank Williams, 1947, Bill Haley, 1952. Finalement. Le Bill Haley, il joue en do, on l'a joué en mi pour être dans la même tonalité que Hank Williams, mais voilà. Donc c'est difficile de dater quand le rock naît vraiment, mais on y reviendra. En tout cas, on sait à quel moment le rock a vraiment eu du succès, quoique le morceau de Bill Haley, ça marchait déjà pas mal. Alors, hop, revenir à la country music. La country music, elle va beaucoup, beaucoup se développer avec des gens comme Hank Williams, mais ensuite avec des stars comme Johnny Cash. Le cœur de la country, c'est Nashville. Si un jour vous voulez écouter de la country dans les meilleures conditions, il faut aller à Nashville. Et là, il y a encore la musique des blancs d'un côté, on ne se mélange pas avec les noirs. Donc il y a beaucoup de stars de la country qui sont, quand on les voit en photo. Hein? Mais donc, cette country, elle va se développer et après elle va évoluer, c'est ça qui est intéressant. Elle évoluera notamment à partir des années 60 et 70 avec de la country rock, ça va commencer à se mélanger. Avec notamment les Byrds, Neil Young hein, en particulier, ou les Eagles un peu plus tard, même les Français. Finalement, beaucoup de ces stars françaises ont repris la country dans leur musique. Et je voulais, en fait, avec ce visuel, enterrer cette histoire de musique noire, de musique blanche. Beyoncé a sorti son dernier album, il s'appelle Cowboy Carter. Vous savez pourquoi elle l'appelait Cowboy Carter? Alors Cowboy, parce qu'évidemment... Cowboy, country, cowboy. Donc une femme afro-américaine jugée sur un cheval, un beau clin d'œil. Et Carter parce que les stars de la country des années 20 et 30, c'était notamment la Carter Family, découverte par Ralph Peer dont on a parlé tout à l'heure. Et dans la Carter Family, il y avait notamment Sarah Carter, Maybelline Carter. Maybelline a eu trois filles. Trois filles qui évidemment ont joué de la country. Et dans ces filles-là, il y avait June Carter. Et June Carter deviendra ensuite la femme de Johnny Cash. Et donc on a un morceau pour vous de Johnny Cash. Et là on est vraiment dans le country. Ça s'appelle Folsom Prison Blues. Blowing, I
Merci beaucoup. Allez, on y vient au rock'n'roll. On ne sait pas, vous avez vu, à quel moment ça démarre. Par contre, on sait à quel moment ça a vraiment explosé. Et là, pour ça, il faut aller vers Memphis. À Memphis, il y a un monsieur qui s'appelle Sam Phillips, qui a monté les studios Sun. Et Sam, à l'époque, il enregistre surtout du blues noir. Afro-américain, voilà, il aime bien ça, et donc il a ses studios, et un jour, mais vous allez le découvrir dans la vidéo, donc je ne raconte pas toute l'histoire, il y a un certain monsieur Elvis Presley, qui passe au studio, en fait il est venu, mais vous allez voir, enregistrer un disque pour sa maman, tout simplement, et il va revenir un peu plus tard, et là il va enregistrer un titre absolument, il mettra voilà, le feu aux poudres, ça s'appelle That's Alright, Mama. Ça déclenche aussi le style rockabilly. Alors, rockabilly, c'est un mélange de rock and roll et de hillbilly. Voilà, rockabilly. Voilà l'origine du mot. Et il y aura beaucoup de succès pour ce style-là dans les années 50, notamment avec des gens comme Elvis, bien sûr, des gens comme Johnny Cash, qu'on vient d'entendre, mais qui évoluera aussi dans le style rockabilly. Et puis, des gens comme Carl Perkins. Et nous, on va vous jouer le fameux morceau d'Elvis qui a eu un succès phénoménal, c'est-à-dire qu'il a été pressé et le jour même il passait en radio, il est passé 8 fois en radio tout de suite, quasiment en sortie de studio, et puis ça a été une traînée de poudre, et donc ça, ça démarre comme ça. Alright. That's alright. When
Merci, merci beaucoup. Vous savez, Elvis n'a quasiment jamais composé de morceaux. Ce titre, il l'a pris à Arthur Krudup, qui était un bluesman afro-américain. Mais le style avec lequel il l'a joué a été absolument incroyable. Parce qu'il a, et d'ailleurs, au début, il passait qu'en radio. Et les gens qui écoutaient le morceau croyaient que c'était un noir qui chantait. Et c'est certainement ce qui a fait le succès d'Elvis, c'est de mélanger et de donner finalement cette tonalité un peu black avec une musique plutôt inspirée du hillbilly, c'est une chose. Mais, et aussi en ayant un peu cette danse, vous savez que quand il passait en télé, le cadreur s'arrêtait là pour pas voir... Voilà, je vous le ferai pas, mais vous savez bien mieux le faire que moi. On va passer au développement du style rock, avec notamment ce qu'on appelle le riff. Le riff, c'est une phrase qui se répète inlassablement. Alors, il y a des riffs célèbres que vous connaissez sûrement. Ce petit court motif musical, dès qu'on le joue, et surtout dès qu'on le joue à la guitare, parce que c'est souvent ça, on sait de quoi il s'agit. On va vous faire deviner un peu. Aymeric, t'es prêt ? Vous gagnez la guitare des mecs, mais à la fin, parce que sinon il faut qu'ils finissent le concert. Très bien, c'est Nirvana. T'en as d'autres en magasin ? Deep Purple, c'est bien, bravo, il y a des connaisseurs. Allez, encore un, hein ? C'est un petit malin parce qu'il a pas du tout fait les trucs qu'on a fait en répète. Vous voyez, c'est un bon quand même, hein, même avec la grippe et tout. Merci, Aymeric, t'en as encore un ou pas ? Allez. Je peux vous le dire. Reste bien parce que j'aurai un message pour toi à la fin. C'est le dernier slide. La relève est là. Exact. La relève est là. On regarde. C'est magnifique. Alors des riffs, il y en a aussi à la basse. Ah oui. Et là, ici, vous avez Guillaume à la basse. Non, attendez. Vous l'applaudirez à l'après. Parce que... Ah, dès qu'il y a des femmes, tout de suite, ça applaudit. C'est incroyable, Guillaume. Dans la vie, il ne faut pas oublier, il y a la bière, les femmes et la basse. Je crois que c'est moi qui t'ai envie. Allez, un petit riff de basse. Bien, Queen, another one bite the dust. Il y en a d'autres en magasin. Michael Jackson, Billie Jean. Merci.
Leo H. Solms. Fabuleux Jack White. Il y a un morceau qui illustre bien cette histoire de riff, ça s'appelle Sous-EQ. Let's go. Oh,
Susie Q. Se développe beaucoup à la fin des années 50, puis vous allez voir dans la deuxième partie après la pause on parlera surtout des années 60, mais le rock c'est vecteur un peu de rébellion des adolescents qui s'approprient cette musique comme le feraient aujourd'hui les adolescents avec le rap par exemple. Le rock à l'époque c'est brutal, hein. Il y a des adolescents dans la salle? Est-ce qu'il y a des adolescents dans la salle? Bravo. Et donc à l'époque, ça rigole pas, hein. Ça casse. On est d'accord, c'est les pires. Hein. C'est les pires. Ça défonce les sièges. Peut-être que, je sais pas, calmez-vous. Hein. Ce soir, on y va doucement, c'est l'histoire du rock qu'on fait. On n'est pas là pour tout casser. Mais donc, on a une chanson qui reflète vraiment ça. Ça s'appelle Summertime Blues, c'est un morceau dédié Cochrane. On va y venir. Et... ce thème de rébellion finalement contre l'autorité, c'est devenu un pilier du rock'n'roll à cette époque-là. Ça révèle une nouvelle conscience. C'est lié aussi au fait que le rock se développe, il y a l'industrie musicale qui se développe, les jeunes peuvent acheter des disques. Les années donc 50 vont être finalement une grosse période de changement. Et cette histoire de Summertime Blues, elle incarne vraiment, vraiment ce sentiment de l'époque. When I come home and I say
merci, merci, merci infiniment. Bah écoutez, il est temps de faire une petite pause, si ça vous va. Et on se retrouve, je sais pas, Olivier, d'ici 15 minutes ou 20 minutes, je sais pas, on en attendra le coup.